Effectivement, la fonti rappelle que Mounsayo y a été arrêté dans date qui était 7 février passé à pour côté et bien y a été reproché mais reproché Mounsayo comme association Moun qui t'apprend à préparer coup d'état contre président Jovenel Moïse. Nous t'étant des paroles président, nous t'étant des paroles premier ministre, nous capable dit gouvernement BCSP en entier qui t'est parlé sous ça dans journée qui était dimanche 7 février 2021 si là. Toujours concernant audience qui était déroulée, Jean-Joseph Bellamoussou dit là que divers parents bien proches qui était présent parmi eux, Jean-Enol Buteau qui lui-même c'est qui est frère parmi 17 monde qui est en prison pour tentative à coup d'état contre le président Jovenel Moïse qui exprimait déception par rapport à l'audience qui déroulait à mercredi à un coup d'appel Port-au-Prince. Jean-Enol Buteau qui lui-même dit qu'il attend le jugement après le rendre tout de suite un jugement en faveur prisonnier puisque d'après ça dit prisonnier eux-mêmes yo pas rien ça reproché pas gain rien pour avec ça et spécialement frère Lian lui dit qui pas gain rien pour à ça il reproché là en côté Jean-Enol Buteau dans micro José Bellamour. On a un certain niveau de déception. Arrestation entachée d'autant d'illégalité et que procédure yo fait yo suivre procédure yo parce que peut-être que m'a autorité pour me penser mais en tout cas moi même en tant que monde qui concerné pas seulement à cause de frem mais monde qui concerné c'est ipso facto parce que l'on a regardé l'on a suivi dans pays dans l'autre pays côté que gon état de droit minimal, c'est que depuis arrestation illégale, même quand tu as gagné des preuves flagrantes, quand tu as gagné, le rendu en anglais, there is no case. C'était le cas, je l'aime d'abgarder et procès O.J. Simpson. Le simple fait que avocat O.J. Simpson a démontré que l'arrestation était illégale, je te combat, il te dit comme ça, if it doesn't fit, you must acquit. C'est-à-dire, si le gars pas bon, il faut la gagner, monsieur. Il faut attendre que le juge ordonne libération. C'est minimum, oui, c'est minimum. Je pense que je ne vais pas faire gagner des pensées malsaines à l'égard de personnes, non, nullement. Mais je pense que dans le minimum, comme vous et au regard de ce minimum, que si on arrestation illégale, c'est fini. Bloc avocat engagé pour défendre prisonniers politiques à K3 Mounio annoncé écrit communauté internationale en tant qu'OEA, ONU, pour rappeler au mandat président Jovenel Moïse Bout depuis la date qui était 7 février passé à la condamnateur estrictissa maître Caleb Jean-Baptiste Dilparé pour porter plainte contre Paysayo si yo ta continue à fréquenter tobi a supporter président Jovenel Moïse dans tête pays en côté maître Caleb Jean-Baptiste. Nous écrit OEA, nous écrit BUNI, nous écrit CONI, nous écrit ambassade américaine, nous écrit ambassade de France, nous écrit ambassade Canada, nous écrit CARICOM, nous écrit COGROUP. Et pour nous dire que nous prenons depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini comme président, actuellement son ancien président, qui prend pays en otage. Sous base ça, et monsieur c'est le premier kidnappeur pays. Vous avez tout kidnappeur qui a parlé Jovenel Moïse, c'est le premier kidnappeur. Vous avez le premier kidnappeur. Sous kidnapper un peuple, sous kidnapper un pays, avec nous c'est le premier kidnappeur. Et nous écrit toute organisation qui dit qu'il a supporté la démocratie dans le monde là, en Haïti, pour ne pas encourager et supporter la dictature en Haïti, pour ne pas supporter l'ancien président Jovenel Moïse. Et nous disons, pas jamais inviter monsieur encore dans notre peuple haïtien comme président. Si vous voulez inviter comme chef citoyen Jovenel Moïse, vous êtes capable. Mais si c'est comme président, si vous ne pouvez pas supporter la dictature, vous gagnez pour ne pas inviter. C'est objectif ça même qui fait que nous écrit l'ambassade, nous écrit l'organisation internationale. Et nous gagnons, nous allons écrire le Congrès américain, nous allons écrire le Congrès américain, nous gagnons l'équipe de l'autre instance, tout nous allons écrire. Et nous allons écrire tout, et tout barreau international. La CIB, Conférence internationale de barreau. Et pour nous dire, avocats dans tout le monde là, pour venir aider nous, pour nous supporter, pour venir aider nous, pour nous combattre le dictateur ça, qui voulait prendre le pays en otage, que le mandat finit depuis 7 février 2021, qui fédère gang, Genève pour famille alliée, et qui politise la police. Je dis à c'est ça que nous avons peut-être mis ça, nous écrit. Et depuis on va répondre selon la loi, depuis on va répondre dans le respect de la démocratie, nous-mêmes nous allons écrire l'autre pays sur le plan international. Pas bien, pas les États-Unis, pas la France, pas le Canada seulement. Il y a là aussi tout. Il y a là aussi. Il y a l'équipe de l'autre pays.
Venezuela, qui est notre pays. Nous avons toujours écrit, nous demandons des supports sur le plan international. Si vous êtes ça, comme pays, ça a ses amis, nous avons supporté la démocratie. Première étape, là, c'est ça. Et pas malheur. Si pendant nous finissons écrit, nous avons un article, nous avons invité Jovenel Moïse comme président, parce que nous disons Jovenel Moïse pas président, c'est sûr. Nous allons porter plainte sur le plan international contre nous qui a invité Jovenel Moïse. Et pour le dire le président, parce que nous-mêmes, nous clairement connaissons Jovenel Moïse pas président, c'est un dictateur qui peut payer un otage. De l'autre côté, M. Caleb Jean-Baptiste a fait qu'on ait déposé un document pour interdire président Jovenel Moïse quitter le pays dans l'immigration. Avocat a fait qu'on ait tout. Il a écrit banque commerciale pour capable de geler tout compte chef l'État qui a toute première dame, non, Martine Moïse. De l'autre côté, M. Caleb Jean-Baptiste pour une deuxième fois. Et vous voulez faire nous connaître tout, voyez, une proposition d'interdiction de départ dans l'immigration pour Jovenel Moïse, pour Martine Moïse. Et nous, pour ne pas avoir erreur même, pour l'immigration, dit le confondre de qui Jovenel Moïse, nous mettons nifle là-dedans. Pour clairement avec Jovenel Moïse. Et dans ce maintenant, demain ou après-demain, nous allons faire ça où les oppositions de droit civil, nous allons pratiquer une opposition de droit civil sur tout compte de Jovenel Moïse qui est en Haïti, et sur tout compte de Martine Moïse qui est en Haïti, pour nous faire saisir. Sous côté ça, côté que vous avez des caisses de pièces d'argent, la promesse du conservatoire pour protéger les haïtiens, pour M. Paguetta, et retirer l'argent, mettre sous l'autre compte en banque, et parce que nous connaissons M. commettre des crimes de sang, des crimes financiers dans le pays, parce que très bientôt, M. Gagne pour répondre à une question de la justice, et Gagne pour la pénitentiaire nationale. Mais nous connaissons, et toute interdiction de départ qui est force légale, interdiction de départ nous demande que pour M. pas voyager, pour empêcher de voyager, parce que. Même gens que nous et que grande démagogie qui fait pour mettre interdiction de départ contre le président désigné, nous même tout et légalement nous faisons opposition de mettre interdiction de départ contre Jovenel Moïse et nous pouvons pratiquer une opposition de droit civil. Attendez, moi qui venais ici, nous obligeons, nous chargeons de faire, c'est ça, les propositions de droit civil, c'est légal. Dès que vous prenez l'embarque là, même si c'était maman, papa, frère, ce directeur banque obligé de faire l'argent. S'il va l'argent, tout ça qui va passer, c'est lui qui est responsable. Et les ça, nous allons obliger à faire action en justice contre le directeur banque et contre toute banque qui a gagné pour décaisser l'argent par Jovenel Moïse après opposition des droits civils que nous pratiquons. Élection organisée dans le pays. Personnel de la santé dans l'hôpital La Paix au tribunal de Piquature devant l'hôpital ça a hier mercredi pour dénoncer kidnapping et puis demander justice pour Dr. Ensa Padi et Evelyne Mentor. C'est pas d'un protestateur fait qu'on est solidaire avec tout citoyen cap victime en bas mais bandit dans la société à dernier temps ça y est. Docteur Louis Saint-Élysée décrit une situation tête chargée. Citoyen yo a vivre depuis quelques temps devant impuissance autorité. En écoutez, Docteur Louis Saint-Élysée dans le micro Radio Méga. Nous tous à marcher aujourd'hui avec ce qu'il nous en bas bras nous. C'est vrai, nous tous. Et pour mourir, nous vous. Soit qu'à oublier ça. Mais pas de rien qui dit. C'est dans la condition. J'en ça a fait. Jodia dans le pays. Sans certes, nous avons été baillés vivre. Pour le monde ait dignité. Pour le monde vivre. Tant que le monde. Yote bay vie sans yote couler pour nous vivre tant qu'on monde pour nous mourir tant qu'on monde yo pas faire sacrifice vie pour yo ramasser cadavre nous blayi dans la rue ou bien blayi sous pile fatra nous réuni jodi a dans mon docteur pas dit avec M. Mentor. Mais nous solidaires avec toute famille, tout le monde qui a mouru dans les conditions nous connaissons. Si bébé, si mon petit, femme enceinte, machin, professionnel et latrier. Nous solidaires à tout le monde qui fermait sous compte tout kidnapper, toute qualité. Nous solidaires à tout peuple haïtien qui vit dans la pérèse.
Médecin, vous croyez que c'est une responsabilité autorité au gain pour la sécurité dans le pays. Docteur, vous demandez tout le monde dans la société qu'à l'EGO pour force administration Moïse Joutlan la sécurité comme ça doit avec chagrin citoyen. Protestateur, vous avez profité faire solidarité avec le docteur Gauthier qui fait main dans la prison. En côté et fois ça, docteur Jean Huguens Henry, dans le micro Alix Gauthier. Nous comptons pour transformer le pays en gros cimetière, côté chaque monde l'a sorti, c'est seulement pour nous pas connaître qui l'est, il y a un trou dans le caveau pour là. Ça, c'est un travail méthodique que nous prenons pour le faire depuis 10 dernières années. Nous pensons qu'il y a une nécessité pour mettre frein dans le mode bagage. Nous, là, nous capables. Vous mangez nous, les ouvrez. Vous battez nous, les ouvrez. Vous cassez pour être nous. Nous sommes que nous fait toute vie de notre travail, nous ne pouvons pas bien posséder, mais il faut que nous baillons comme ça pour nous libérer proche nous. Mais ça qui est nous, nous rendons compte que mode activité ça, c'est des activités qui sont tolérées par le pouvoir en place là. Sinon, on ferait à mettre dans le bagage ça parce que l'État, c'est lui-même qui a un monopole violence. Et monopole violence, ça, pas seulement là pour le vieux privilège. Mounsayo, c'est employé nous que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, directeur général. Il est pour nous frapper bien nous et faire comprendre que c'est avec nous qu'il travail. Donc, cahier de charges que nous avons, doit exécuter. Là, il n'y a pas qu'à kidnapper nous. Là, il n'y a pas qu'à tuer nous, le prenons. N'avancez toujours avec information, yo, qui en pile acteur qui ont même décidé réagir face avec à cause de kidnapping et puis cause de sécurité, on dit bien, et garder tout ensemble mes autorités concernées, annoncer là, pour capable mater cause de kidnapping dans le pays. Gayen responsable au CNH là qui s'est mettre Camille Oxius qui lui-même réagit sur Bouchelevry qui gagne entre la présidence et puis la primatie. Bouchelevry qui gagne entre secrétaire général conseil ministre à la primatie sur interdiction pour machine ce qu'il a qu'à vitinter prouver à clair incapacité autorité dans l'état pour assurer sécurité citoyen yo position coordonnateur organisation citoyen pour l'autre Haïti qui c'est Camille Oxius qui qualifié cosmétique ensemble mesi conseil supérieur pour national l'apprend pour freiner les actes kidnapping en d'appuyant. Toutefois, défenseur doit mon croire doué gain l'autre disposition qui pour prendre coup mobiliser la police une manière pour mettre en bacode tout le monde cap s'y met la troubaille en d'appuyant. En côté Camille Oxius dans micro Romanet samedi. La prend des décisions cosmétiques de manière parallèle entre eux et ça vient bailler pas encore ni résultat pas efficace. Eh bien, en conséquence, entre eux, entre même eux maintenant, tout le monde a regardé, c'est une bataille, c'est comme un de Babel, parce que actuellement, je ne vous dis là, il y a une bataille entre le parlementaire et la primature, ou quoi comprendre, le parlement national gagne un discours, la primature gagne un discours, et tout le monde dit qu'il travaille pour le pays, mais résultat par l'autre bagaille, c'est incapacité. C'est incapacité, il y a rien de côté qui fait, nous arrivons dans une situation côté, il n'y a pas qu'à la résultat, et les décisions cosmétiques fait, je ne viens pas accorder, et la population, il y a l'État avec nous. On a communiqué, pas capable d'entrer en loi, en décret. Comment comprendre l'État, premier ministre, là, je présume que le compte ça, et puis il vient en décision comme ça. Et c'est béaba en droit. En aucun cas, il n'y a communiqué pas capable de mettre en veilleuse ou bien remplacer une loi ou bien un décret. Mais ça me veut, nous connaissons déjà au Manès, nous avons rappelé aux auditeurs, à cause de l'édition, en Haïti qui dit dans l'État, et par respect de la loi vraie, qui l'a utilisé, c'est chaque fois le bon boulot. Malheureux à pied, pas qu'à faire kidnapping. Les qui ont une machine, rascate, qui pas même gen bon caoutchouc pas faire kidnapping, qui pas gen bon moteur pas faire kidnapping. Donc kidnapping non son bagage qui bien organisé à des hommes du moyen économique, du moyen politique, de contre logistique qui ont réuni et bien organisé kidnapping. Pour aller faire une détecte de machine,
faut moi ou mobiliser la police bandi nous te gain dans entourage nous ou mettre la police en branle tout monde cap signer la terre à l'encontre des populations laisse en après son bonne. Voilà, c'était déclaration responsable au CNH là qui c'est Camille Oxius lui-même qui t'a placé mot pas là concernant Mézi autorité concernée au principe au premier ministre Joseph Jota concernant pour déteinter vite Machinio une façon pour capable commencer mater contre phénomène kidnapping là en d'un pays. Gagné direction politique opposition qui a annoncé là yo écrit une lettre à tout l'ouvrir by responsable direction centrale police judiciaire qui c'est Frédéric Lecomte dans document ça dire pas présenté en table somme sur situation et sécurité en de pays pour année 2021 te gen plus passé 1200 cas kidnapping à 480 moun qui mourit sorti janvier jusqu'à moi Marcila pour année 2021 bien diapod dio déjà compté 3000 cas kidnapping selon l'aide ça dit pas d'écrire et mon supplice Bozil qui t'a fait les petits documents ça pour la presse critiquer comportement responsable dans des CPJ les dit qui passe fait rien pour stopper insécurité. On écoute Edmond Suplice Bozil dans le micro Jean-Philippe Massé. Pour un état des lieux et un rappel de la mission de DCPJ, de la DCPJ. Monsieur le directeur, la diapole fait état de ce tableau lugubre, bien réducteur, des actes de violation des droits de la personne pour vous dire de la répulsion de toute une société d'une part et de vous appeler à vos responsabilités publiquement non assumées, d'autre part. Depuis tantôt 2 ans, la société haïtienne vit avec inquiétude l'augmentation des cas d'enlèvement contre rançon et assassinat. En effet, pas un jour ne passe sans son lot de kidnapping, et ce, en tous les coins du territoire national. Toutes les catégories sociales en sont frappées. Enfants, adultes, commerçants, propriétaires, etc., même les handicapés, même les pauvres. En plus d'être un phénomène criminel et barbare, il occasionne des dommages économiques, physiques et psychologiques sur toutes les victimes. S'agit-il d'une forme de terrorisme d'État, monsieur le directeur? Les chiffres qui en parlent sont carrément effrayants. En 2020, plus de 1200 cas de kidnapping et plus de 480 morts. De janvier 2021 à date, 3000 cas de kidnapping et 1 000 000 de morts. Ces actes de banditisme et de kidnapping, dans leur démesure, révoltent la conscience citoyenne, la conscience tout court, éloignent la société du lignage humain et forcent beaucoup de jeunes à fuir le pays. Ils partent à destination du Chili, du Brésil et de la République dominicaine. Alarmée par cette situation sans précédent, la Diopod s'interroge, mêle sa voix à celle des Haïtiens et Haïtiennes honnêtes, soucieux, responsables, pour exprimer son ras-le-bol. Il est navrant, franchement, de constater que malgré les demandes répétées de la population aux oreilles des autorités pour faire face à ce phénomène, aucun kidnappeur à date n'a été ni arrêté, ni déféré à la justice. Edmond Suplice Sabozil a rappelé mission DCPJ gagné pour chercher et puis identifier tout bandit qui a simé d'air dans la société haïtienne. Non, l'a rappelé Frédéric Lecomte qui est responsable DCPJ. N'importe qui moment l'a pour répondre à question la justice à cause. Yo pas rempli mission yo comme ça doit qui s'est protégé population haïtienne. Edmond Suplice Sabozil. Les personnes lésées peuvent sans autorisation préalable se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent. Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation des droits. Dans ce cas, la responsabilité s'étend aussi à l'État. Le 18 juillet 1998, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait que la création de la Cour pénale internationale est un gage d'espoir pour les générations à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'état de droit. Il y a là, monsieur le directeur, un danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation haïtienne
Les assassins, les kidnappeurs, les bandits sont partout présents sur le territoire. Ils sont dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les sections communales. Action ça, c'est pour montrer tout directeur technique et service déconcentré dans l'aide qui, côté, n'a pas fait un rien pour capable protéger la vie citoyen. Institution, tant qu'OPC, pral jouen l'aide ça tout. D'après Edmond de Suplice Bozil, qui critiquait OPC, il dit qu'il faut récolte en bas pouvoir tête calée ici là. N'a toujours été avec un membre d'IRPOD là, qui s'est direction politique opposition, mais fois ça, c'est pral Marjorie Michel, direction politique opposition, continue à critiquer climat la Pérez, pouvoir instaurer un pays à travers Gangyo, Capta et Banda, Tribo. Pas bon. Dire pod, lui-même, prend comme exemple, Zach Kidnapping, qui parle, suspend un pays. Marjorie Michel, croit, société à Droué, Lévi Campé contre un régime dictatif, président Jovenel Moïse. En côté, Marjorie Michel. Nous, là, je dis, un contexte vraiment spécial. Que nous vivons longtemps, pays nous en danger. Nous gagnons un groupe monde qui kembe un pouvoir en otage, qui l'a illégalement depuis 7 février 2021. Constitution pays d'Haïti, l'Iclé. Mandat président fini 7 février 2021, qui ramenait à 5 années que l'élection était faite pour te prendre pouvoir. C'est ça Constitution en dit. Et c'est ça toute institution dans le pays d'Haïti dit. Et l'autre institution au niveau international qui, par exemple, nous capables de songer trois universités, qui ça que vous dit comme conclusion, qui ça l'église catholique en Haïti dit, qui ça l'église protestante en Haïti dit, qui ça pigou instant judiciaire dans le pays a dit, qui c'est CSPJ, qui ça fédération des barreaux dit. Nous clair sur ça, mais malheureusement, des forces obscures, des forces mafieuses, amusez-vous pour vous kembe haïtien, pour vous kembe pays dans tout ça que nous sommes là. Heureusement, le peuple haïtien est debout. Le peuple haïtien est campé. Il dit la goumé jouk nan bout pour faire constitution respecter. La goumé jouk nan bout pour faire kidnapping baisser. La goumé jouk nan bout pour dictature pas instaurer encore dans le pays d'Haïti. Comme ça, nous tous avons observé depuis 7 février, même avant. Population a organisé et a continué à organiser de différentes façons pour montrer désapprobation par rapport à ce qui a passé là. Par rapport à un groupe de monde qui kembe l'État en otage, par rapport à un groupe de monde qui comprend par la peur, yo capable d'imposer, yo. Par rapport à un groupe de monde qui pensait par la criminalité, yo capable d'imposer dans le pouvoir, population a mobilisé chaque jour. Nous venons là jeudi, hein, c'est pour nous continuer à encourager tout groupe, tout secteur qui voulait continuer à mobiliser, qui a continué à mobiliser d'une façon ou d'une autre. La société civile, les syndicalistes, les organisations de base, organisations femmes, organisations jeunes, universitaires, toute couche de la société a une façon ou une autre, il a montré, il a chaque organisé. Responsable a dit pour Dieu annoncer la mobilisation bat ténèbres 3 jours cap Vinila, mais ça cap démarré lundi 15 mars à cap Rivera. Marjorie Michel a fait qu'on est mouvement ça, c'est pour chercher force ancêtres pour arriver force et président Jovenel Moïse qui était à Palais National. Marjorie Michel a mandé population haïtienne frappé tout ça qui bon côté yo à partir midi lundi cap Vinila, tant qu'au klaxon machine yo, moto et la trier. En côté Marjorie Michel. Qui a réfléchi sur différentes formes de mobilisation parce que assez souvent, nous confond mobilisation avec manifestation. Mobilisation, pas le dit manifestation de rue seulement. Mobilisation, il y a différents aspects là-dedans et que nous, un groupe, est capable de faire. C'est comme ça, par exemple, demain 11 à 12, il y a des groupes qui ont organisé, l'équipe Chanman a organisé, étudiants, Cité Soleil a organisé pour faire des voyous comme rejet à ça que nous avons là comme pratique. Dans Diopod, nous venons annoncer nous jeudi. Mettez ensemble avec tout l'autre groupe dans la société civile et autres, cap goumé, cap déterminé qui forme de mobilisation que nous avons jusqu'à ce que nous jouons bout à ça qui là. C'est comme ça que nous avons annoncé nous. Yon bat ténèbres.
Bak ténèbres là, c'est pas ce qui s'allie. Bak ténèbres là, c'est une force que nous avons cherché. C'est une expression de rejet que lié. C'est un mode de forme de contestation que lié. Pour nous tromper, pour nous dire non, nous pas capables encore. Et il y a des gens qui plus aller plus loin, qui dit dans bak ténèbres pour réveiller les esprits qui dorment. Moun ki ap dormi yo, esprit ki ap dormi yo, parce que croyance nous tout différent. Gen moun ki di nan bak ténèbres blanc, nous remembrer, nous prend force. C'est comme ça. Pour nous faire suite à dernier bak ténèbres qui te gagnant et nous remercier population haïtienne qui te répond présent. Vendredi 5 mars qui passe là, population te répond dans forme de mobilisation ça. Dieu pote avec toute notre organisation syndicaliste, groupe de société civile à demander population, à inviter population encore pour nous entrer dans le bac ténèbres à partir de midi, jour lundi 4 15, mardi 16, mercredi 19 mars qui a fini, vendredi 19 mars qui a fini là, nous avons entré dans le concert klaxon avec bac ténèbres. Nous préciser concert klaxon. Concert klaxon, non, ce n'est pas à courir ou à klaxonner, il faut camper. Pour prendre 10 minutes là pour klaxonner machine nous pour dire non. 10 minutes là pas coûter nous en pile. Par contre, si nous quittons faire la dernière sous nous, la coûter nous toute vie nous. N'a pas des populations en général. Chauffeur moto en général en particulier. Petit machin, tout le monde qui ça concerne, toute population en général, pour nous entraîner. Te mettre son mot sur casserole, li te mettre son grenassiette, yon cuillon, joine. Chauffeur moto a klaxonné. L'autre point d'actualité à la audience à ce dossier, 17 prisonniers qui ont accusation tentative à coup d'état contre président déroulé à Yamérédia dans un coup d'appel à Port-au-Prince. Maître André Michel, Gervais Charles, Marc-Antoine Maisonneuve, Arnel Rémy. C'est quelques premiers avocats qui tapent défendre prisonniers dans audience à côté. Ils ont fait appel contre ordonnance devant un tribunal première instance à quoi des bouquets. Ils ont dit qu'ils gagnent un caractère discriminatoire. Côté, ils ont décidé la seulement juge Yvickel da Brésil, juge Yves Altidor, qui t'a présidé audience là, ordonné pour défenseur prisonnier au fait des poupiers dans grève paquet coup d'appel là pour le capable rendre jugement. On suit le reportage avec collaborateur nous, José Belamour. Jean Saté prévoit audience sous dossier 17 prisonniers qui gagnent accusation coup d'état contre président Jovenel Moïse t'est déroulé dans coup d'appel Port-au-Prince jeudi mercredi. Pendant déroulement audience ça, conseil défense l'en fait passer point doyau pour montrer juge Yves Altidor qui t'a présidé audience là, arrestation personnalité ça yo illégal et arbitraire. Yo t'est tout profité expliquer bien fondé appel contre ordonnance doyenne tribunal première instance quoi des bouquets à Téhéran. La différente intervention nous pas parler de la question de constitution des infractions. Nous avons abordé le caractère de l'arrestation. Nous avons montré que ces citoyens et citoyennes ont été arrêtés en dehors de ce qu'a dit la Constitution. Au regard de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dites-vous que tous les gens naissent libres et égaux devant la loi. Ça veut dire, juge Yvickel sont citoyens, l'autre mounio c'est citoyen ou yé. Donc, sur une ordonnance pour juge Yvickel ou la guêle, faut la guêle tout 17 l'autre mounio. Voilà le bien fondé qui fait que nous interjetons appel. Mais c'est petit commissaire gouvernement, Claude Jean, qui fait office ministère public dans l'audience, ça, à plusieurs reprises dans l'intervention, insisté, accusation qui pesait sous de 17 personnalités, ça y est fondé. Après plus passé 3 heures de débat, finalement, juge Altidor prend décision ça. C'est motif, la cour ordonne la communication des pièces du dossier au greffe du parquet, dans le délai de la loi. Pour être communiqué au ministère public, dans le délai de la loi. Merci la Cour à l'obligation d'examiner l'ordonnance du premier juge. Donc, nous demandons aux parties de déposer dans les 24 heures les pièces du dossier pour que le réquisitoire du parquet soit lu à l'audience pour que nous puissions prendre telle décision. Il y a une décision qui semblait pas trop déranger Maître André Michel qui dit l'abtonne. Décision finale, juge là. Homme de loi fait qu'on est conseil là pour le déposer pièce sur Jean juge là mandé ça dans greffe paquet coup d'appel là demain jeudi à. Demain au plus tard, conseil de la défense, nous allons devoir faire le dépôt de nos pièces. Ces pièces, une fois déposées, seront transmises au greffe du parquet pour être communiquées au ministère public qui prendra ses conclusions écrites d'après l'avant-dire droit de la Cour. Maintenant, il n'est que hâte d'attendre. Nous attendons la décision finale de la Cour d'appel. Conseil défense l'an, montrez-le confiant, la justice a triomphé dans le dossier ça. Nous avons établi de façon claire
et net pour la Cour que les requérants ont été arrêtés arbitrairement et ils sont encore détenus en dehors de la loi. Et nous espérons que cette fois-ci, la justice va triompher. Nous, très certains, nous très confiants. Pas les pièces pour les incertitudes. Nous confions que Koula a procédé à la libération. N'a pas signalé.